Et la honte, qui est le fait de te réveiller, peut-être te dire les anges, ils ont dit à Allah, on a trouvé Foulen et Allan en train de dormir. Allah en a connaissance. Et ils ont attesté de cela. Et déjà ça, ça nous permet de voir ici où est notre degré de foi. C'est pour ça, Salatul Fajr, c'est quelque part une métaphore, le thermomètre de l'iman, de la foi. Ce n'est pas l'aspect extérieur, comme je dis souvent, l'aspect un beau camis, une belle barbe. Je ne suis pas en train de critiquer et dénigrer, moi-même j'ai la barbe. Il faut arrêter avec. Le principal, al-qalb et al-a'mal, les actions qui sont obligatoires et qui sont les plus importantes. Ensuite, on sait que tout est important en islam, mais il y a des priorités. Comment ça, tu vas me dire par exemple une personne qui a une apparence d'un pieux, d'un vertueux, d'un compagnon. Il ne se lève pas, salat al-fajr, je ne comprends plus rien là. Ils sont où les priorités? Je ne comprends plus rien. Donc, le thermomètre de ta foi, salatul fajr. Ensuite, salatul isha. Ensuite, al-dhur, wal-asr, wal-maghrib. Ça, c'est un grand thermomètre de ta foi. Tu vas savoir où tu es.